La côte ouest de l'île de Phuket, en Thaïlande, est parsemée de petits villages comme celui de Chang Thale, où la vie présente un étonnant mélange de tradition et de modernité, de décors vétustes au charme suranné et de la nature la plus pure. La plupart des Thaïlandais se réclament du bouddhisme et tous ces villages possèdent leur propre temple où les enfants reçoivent leur éducation religieuse de moines, comme au Wat Thep Wan Aram, non loin du village de Manik. Ainsi va encore la vie sur cette île de Phuket, située à l'ouest de l'isthme de Kra, à 900 km au sud de la capitale Bangkok. Bien connue aujourd'hui pour ses attraits touristiques, l'île est mentionnée dès le 2e siècle par Ptolémée, qui en vantait déjà les charmes. C'est dire que cette terre, encerclée par l'horizon azuré de la mer d'Andaman, n'a pas attendu notre époque de communication moderne pour faire valoir ses beautés millénaires.